Bien le bonjour. Donc aujourd'hui, on va parler tout simplement de la migration d'un cours Moodle vers Teams, puisqu'il arrive parfois qu'au fil des heures de pédagogie, d'enseignement, on réalise rapidement qu'on a tout préparé finalement notre session sur Moodle, mais que finalement nos besoins pédagogiques sont autres, ou besoins pédagogiques ou didactiques même peuvent être autres que pour Moodle. Et finalement, on commence à réaliser que Teams peut-être répondrait mieux à nos besoins. Par exemple, si je pense entre autres à des besoins au niveau d'interaction avec nos étudiantes et étudiants, Moodle va offrir un petit peu moins d'avantages que Teams. Teams va permettre donc une interaction, une relation d'aide beaucoup plus fréquente, beaucoup plus facilitante que dans Moodle. On va avoir une facilité à joindre rapidement nos étudiantes et étudiants et ils et elles pourront nous joindre très rapidement. En plus, on pourra facilement démarrer des réunions Teams sans problème ou intégrer des réunions Zoom également sans aucun problème dans nos Teams. Donc, il y a tous ces petits avantages-là. Je pense également à des départements, je pense rapidement déjà à soins infirmiers et physiothérapie qui, eux et elles, produisent des vidéos avec des volontaires qui se prêtent aux simulations, sinon même carrément des patients, des patientes qui se prêtent aux simulations, qui acceptent qu'on les filme, mais on ne peut pas déposer ces vidéos-là directement sur YouTube, même en non répertorié, même en privé, avec un mot de passe, puisque justement, on doit absolument préserver l'identité et la confidentialité donc de ces volontaires-là. D'autres personnes voudront, pour des raisons pédagogiques ou didactiques ou disciplinaires, préserver leurs vidéos et ne pas les rendre totalement accessibles, donc sur une plateforme comme YouTube. Et donc, préféreront, dans ces différents exemples-là, préféreront déposer les vidéos directement sur Stream afin de créer une chaîne. Stream étant seulement le YouTube de Office 365, donc dans un milieu plus restreint, ce qu'on appelle le SharePoint, donc l'espèce de vase clos pour le Cégep de Sherbrooke. C'est notre vase clos réservé donc à notre communauté étudiante et professorale. Donc voilà, je vous présente ça très rapidement. Vous allez voir, ce ne serait pas la fin du monde que de décider de faire un transfuge, donc de migrer son cours de Moodle à Teams, particulièrement si vous n'avez pas déjà passé de nombreuses heures à faire une mise en page dans Moodle. Donc ici, on ne parle pas d'heures de mise en page, c'est seulement un cours bidon. Mais donc voilà. Petit exemple très rapidement. Donc, évidemment, le contenu pourrait facilement et rapidement se migrer. Première des choses, on passe tout simplement à Teams et dans son Teams, on arrive dans la grande page d'équipe. Vous allez voir, ça se fait très rapidement, assez rapidement qu'il faut vraiment que je prenne le temps de vous énumérer chaque étape. Alors, lorsqu'on vient vraiment dans équipe, on arrive tout simplement en haut à droite avec l'option rejoindre ou créer une équipe. On se crée une équipe. Alors, pas de problème, on crée une équipe. Soit dit en passant, j'allais justement trop vite. Vos étudiantes et étudiants, tantôt je vais vous montrer à créer un code, donc générer un code pour se joindre à l'équipe, donc en forme d'auto-inscription. Eh bien, dites-vous que ce sera juste à côté. Vous avez ici créer une équipe et ici rejoindre une équipe à l'aide d'un code. Eh bien, ce sera juste ici que l'étudiant devra entrer le code d'auto-inscription pour rejoindre directement votre Teams. Vous allez voir, ça va aller très vite. Donc, créer une équipe. Dans votre cas, évidemment, on parle d'une équipe classe. Donc, voilà. Tout simplement, on peut indiquer également une description, pas de problème. Et par la suite, on crée l'équipe. Ensuite de ça, on peut toujours rajouter d'autres co-enseignants, enseignantes à notre équipe. Mais sinon, on pourrait, si on voulait, si on parlait d'un groupe de 8, 9, 10 étudiants et étudiantes, on pourrait les ajouter directement. Ça va, soit dit en passant, beaucoup plus rapidement lorsqu'on indique le nom de famille, virgule, le prénom et non pas l'inverse. On recherche mieux dans la base de données, vous avez plus de chances de succès. Sinon, on passe outre dès qu'on a trop d'étudiantes et étudiants, on passe tout droit. Et là, vous avez vos canaux. Très facile donc de créer des canaux. Alors, on peut ajouter des canaux pour dire, bon, bien, exemple, chapitre 1. Oups, on va y aller en l'écrivant comme il faut. Chapitre 1. Et là, plop, 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 etc. Et là, évidemment, si vous vouliez rendre accessible seulement un groupe d'individus, ce serait par ici. Sinon, ben évidemment, s'il s'agit d'un chapitre de théorie ou de pratique, ben dans ce cas-là, on demeure dans le standard et on ajoute.
Soit dit en passant, la pertinence des canaux peut également, comme je l'ai déjà expliqué dans un autre tutoriel, souvenez-vous que la pertinence des canaux peut devenir très intéressante lorsqu'on ajoute un canal pour faire des travaux d'équipe. Donc, exemple, là, on pourrait dire équipe 1. Et là, en sachant déjà bien qui sera dans l'équipe 1, puisqu'on aurait déjà réalisé, par exemple, l'auto-inscription, tout le monde est rendu bien inscrit. Alors, dans ce cas-là, on passerait à suivant. Et là, on pourrait avoir l'équipe 1 en ciblant directement les étudiants des étudiants dans l'équipe 1. Là, on serait capable de former des canaux réservés aux équipes, soit dit en passant. Ça permettrait donc un travail d'équipe par canal et on serait capable d'aller participer aux discussions d'équipe directement et également aux réunions Teams, donc aux visios d'équipe directement. Alors, je pourrais passer de 1, je joindrai la réunion, je quitterai la réunion, j'irai dans l'équipe 2, etc. Bref, c'est une autre option. Sinon, on supprime le canal, il n'y a pas de problème. Et on pourrait continuer donc à créer les canaux en fait de chapitres en intitulant comme on le souhaite. Et par la suite, lorsqu'on est prêt, évidemment, ben là, dans ce cas-là, on s'en vient tout simplement paramétrer le tout. Donc, on peut venir dans paramètres et c'est ici qu'on vient créer le code d'équipe. Générer le code d'équipe et c'est réglé. Si vous voulez le faire en classe, eh bien, faites-le en classe pour l'auto-inscription. Vous allez voir, c'est encore plus simple. Donc, vous n'avez aucune diffusion à faire avec vos étudiants et étudiantes. Donc, vous venez, comme je vous disais, trois petits points, ici ou ici. On s'en vient tout simplement dans, effectivement, gérer l'équipe. Dans paramètres, code d'équipe. Et lorsqu'on est en classe, on va dire le code en plein écran. C'est fantastique, ça apparaît sur la toile et on voit donc le code plein écran. Si on n'a pas besoin du plein écran, eh bien, vous copiez tout simplement et ensuite de ça, vous le diffusez par la voie de communication que vous préférez. Ici, évidemment, ce serait par Mio. Donc, vous pourriez transmettre le tout par Mio dans Omnivox et transmettre le tout à l'ensemble de vos étudiantes et étudiants. Une fois, ils se joignent à l'équipe et c'est réglé, tout simplement. Alors, voilà. Par la suite, tout ce qui vous reste à faire, c'est donc revenir évidemment dans votre cours. Notez bien que chacun de vos chapitres, donc chacun des canaux, possède l'onglet fichier dans lequel vous pouvez déposer votre matériel en lien avec le chapitre. Et évidemment, pour chacun des chapitres, si vous avez des devoirs, vous pouvez rajouter, oups, excusez-moi, pas ça du tout, mais donc vous pouvez venir rajouter évidemment des notes, oui, publications, etc. Mais vous pourriez également rajouter les devoirs. Sinon, en général, donc dans l'onglet général, vous pourriez rajouter également des devoirs sans problème. Et comme vous l'avez vu aussi pour chacun des chapitres, vous pourriez, si vous vouliez, rajouter d'autres types d'exercices, de ressources afin de les amener à différents endroits. Dont, entre autres, je vous donnais un des exemples ou une des motivations pour migrer de Moodle vers Teams. Vous pourriez associer une chaîne stream directement à votre chapitre pour dire, bon, bien, voilà, telle chaîne, c'est vraiment l'avantage pour ce chapitre, etc. Sinon, simplement le faire à partir de Général. Vous pouvez également, donc, associer une chaîne stream dans Général et la beauté de ça, c'est qu'en créant directement votre Teams, de toute manière, tous les étudiants, toutes les étudiantes qui se seront auto-inscrits dans votre Teams feront donc partie du groupe et le groupe sera automatiquement lié à votre chaîne si vous créez votre chaîne avec le groupe. Alors le tout fera un tout, justement. Donc, ça fera un ensemble d'accès, finalement, bien associés ensemble. Donc, ce sera facilitant pour vous de cette manière-là. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Tic.ssr, commercial, cégepsherbrooke.qc.ca, vous permettant donc de joindre Sylvain comme moi. Donc, tic.ssr, commercial, cégepsherbrooke.qc.ca. Je vous remercie beaucoup. Je vous rappelle évidemment que les trois plateformes sont toujours aussi soutenues, c'est-à-dire évidemment Léa dans Omnivox, Moodle dans Moodle avec Zoom intégré, ainsi que Teams dans Office 365. Merci, bonne journée.